Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambert Teaching. Voilà, je vais vous présenter de quoi est composée une fenêtre d'aluminium. Donc, tout d'abord, je vais commencer donc par le dormant. Donc, voilà, ça c'est le dormant. Donc, c'est ça, tout ça c'est le dormant qui est fixe. Tout ça c'est le dormant. Donc, ici, voilà l'ouvrant. Tout ça, ça s'appelle ouvrant. Et pour ça, cette partie, ça s'appelle le traverse ouvrant. Ça s'appelle montant ouvrant. Tout ça, c'est le montant ouvrant. Voilà. Montant ouvrant. Ça, c'est le traverse ouvrant. Ici, on a donc. Par close, voilà les par close. Voilà, elle commence d'ici jusqu'à là. Voilà aussi une par close, comme ça. Voilà les par close. Ça c'est l'angle par close. Voilà un angle de par close. C'est ça, l'angle de par close. Voilà. Les angles de par close ici. Vous avez donc joint vitrage. Voilà le joint vitrage. Ça, c'est le joint vitrage pour le vitre. Ici, c'est le joint battant. Ça s'appelle joint battant. Voilà le joint battant. Tout ça, c'est le joint battant. Qu'est-ce qu'on a encore? On a donc crémone, voilà. Ça s'appelle une crémone. Et on a une gâche. Voilà une gâche. Elle est responsable pour fixer la fenêtre. Donc elle est fixée sur le dormant, sur le traverse dormant. Voilà, c'était une petite introduction. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, j'ai oublié les pommelles. Voilà les pommelles. Voilà. Voilà les pommelles. Une pommelle. Deuxième pommelle. Voilà. C'est ici. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut.